Est-ce qu'après Meta, ça serait au tour de Google de bloquer les nouvelles canadiennes? En vue de l'application de la loi C-18 sur les nouvelles en ligne qui va rentrer en vigueur le 19 décembre, Google menace de bloquer le contenu canadien. Donc, dans le fond, la loi a pour but de demander aux entreprises qui génèrent plus d'un milliard de revenus de financer les médias canadiens, dont le salaire des journalistes. Le gouvernement demande une compensation de 172 millions. Par contre, Google offre un montant maximum de 100 millions. La multinationale juge que le montant réclamé est injuste et non proportionnel au profit qu'il génère. Fait que si on prend en considération qu'il y a plus de 90% des gens qui utilisent Google sur une base quotidienne, ça pourrait vraiment avoir des grosses répercussions sur l'accès à l'information. Donc, si Google veut de l'avant en prenant exemple sur Meta, toi, comment tu vas rester informé? Donc, c'était Marianne pour les nouvelles du marketing présentées par les Remarqués. Abonne-toi à notre infolettre pour en savoir plus. Canadien. Sorry! Abonne-toi. Marketing. Bon, pas grave.